Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Loïnishmat, Chana Bat Sultana, Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Zara Bat Mazaltov, Shishporti Shimon Bat Leoni, Michol Nevikov, aussi le Fouat, Ruth Bat Claudine Traina, et Simcha Bat Mazoni Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shvuot, Perek Zain, Mishnah Gimel, Hanech Bal Keitzad, Hayom Eidin, Otro Shinichnas, Tachat Yado Shalem, Veyatza Chavul, Vamar Lo Chaval Tabi. והוא אומר לא חבלתי, הרי זה נשבע ונוטל, רבי יהודה אומר, עד שתהה שם מקצת הודעה, כיצד? אמר לו חבלת בשתיים, ואלא אומר לא חבלתי בך, אלא אחת. Même principe que les deux Mishnayot précédentes. Pour rappel, on parle que, selon la Torah, à chaque fois que l'on doit qu'il y a un chiyuv shvua pour éclaircir une situation, un différent d'argent, alors toujours la Torah demandera à celui, à l'accusé, à celui à qui on réclame l'argent, on lui demandera de jurer pour se faire dispenser de son devoir de payer. D'accord ? C'était la grande règle. Mais, malgré tout, dans quelques cas de figure, 5 cas, c'est le troisième qu'on apprend dans notre Mishnah, Chachamim m'ont imposé une jvoua, ou ça va être ce qu'on appelle une jvoua tanotlin, quelqu'un qui va jurer et qui va prendre en jurant. Ouais, en théorie, si j'ai un différent avec vous, alors je vous accuse de me devoir de l'argent. S'il y aura un chiyuv shvua, normalement c'est vous qui devez jurer pour vous faire dispenser. Et puis, Chachamim sont venus et dans certaines situations, on dit que non, je vais pouvoir moi-même jurer et par mon serment, vous imposer de me payer. D'accord ? Troisième cas de figure, c'est le nerbal. Ha-nerbal, celui qui a été blessé, qui s'est fait agresser, frapper. Keitzad, comment se présente le cas ? Hayu me'idin oto shenichnas tachat yado shalem. Il y avait deux personnes qui témoignaient que Reuven était entré dans ma maison, shalem, entier, parfait, beau gosse, bien coiffé, belle chemise. Et après, ve'yatza chavul, il est sorti avec les habits déchirés, du sang partout, tout décoiffé. Et donc maintenant, on a les témoins qui n'ont pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ils l'ont vu à l'entrée et ils l'ont vu à la sortie. Et maintenant, lui, l'ami Reuven, va à Marlo, et donc maintenant, il me réclame. Va à Marlo, il lui réclame. Chaval Tabi, il lui dit, tu as été Chavala, comme Chabala, mais Chabel, c'est le même chorej. Tu m'as blessé, tu m'as frappé, tu m'as fait saigner, tu m'as fait des blessures. Veo Merlo Chavalti, et l'autre, il lui répond, moi je t'ai rien fait. Et bien la Mishnah nous enseigne, dans ce cas-là, Harei Zen Nishba Benotel. Soit on a un différent que maintenant il me réclame des dommages, que je lui règle ces dommages, d'accord ? Je lui ai cassé un bras et un nez, et le nez, d'accord ? Il demande pour ça 5000 shekels, et puis moi je lui dis, moi j'ai rien fait, s'il y a un problème, faites-moi jurer si vous voulez. Donc d'abord, premièrement, selon la Torah, il n'y a pas de chiyuv shvua parce que je ne suis pas un modé bemiktsat atahana. D'accord ? Je ne suis pas modé bemiktsat, je n'ai pas reconnu partiellement ce qu'il m'impose. Malgré tout, sont venus chachamim, on dit oui, vous allez jurer, mais plus que ça, on ne va pas laisser l'agresseur jurer. Ils ont fait un knas. Ouais, comme ce qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente. Chachamim ont dit, puisque toi t'es quelqu'un de malhonnête, tu es quelqu'un de pas correct, on va pas te laisser jurer, on va demander à l'autre, l'offensé, de jurer et de réclamer tous les dommages que tu lui as fait. Donc c'est toi qui lui as cassé le bras, c'est toi qui lui as cassé le nez, et bien tu vas payer ces deux choses-là quand l'autre il va jurer. Tel est l'avis de Tanakama. On va apporter des précisions bien sûr sur le cas, mais d'abord on finit la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda pense, non, même principe, le même Rabbi Yehuda pour la troisième fois consécutive. Achetehe sham miktat odaa. Il faut nécessairement qu'il y ait en cela une reconnaissance partielle. Soit, selon la Torah, le chiyuv shvua de la Torah, il n'est que quand je réclame quelque chose de grand, l'autre reconnaît qu'il me doit un petit peu. Modé miktat ata'ana, il reconnaît partiellement ma réclamation. Alors, là, chachamim n'ont pas innové une shvua de dire que même si tu n'y avais pas de chiyuv shvua, malgré tout, tu vas jurer, tu vas prendre. Chachamim sont juste venus et ont dit, lorsqu'il y a le chiyuv shvua de la Torah, que moi je réclame deux et toi tu reconnais un, au lieu de te laisser à toi jurer parce que tu es quelqu'un de pas bien, alors là, Chachamim sont venus et ont posé que c'est moi qui vais jurer à ta place. Ils n'ont pas innové la shvua, ils ont juste dit que au lieu que ce soit l'un qui jure, on va laisser l'autre jurer et se servir. D'accord ?
Donc Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Achitesha Miktsat Hoda'a, il faut nécessairement qu'il y ait là-bas une Miktsat Hoda'a, une reconnaissance partielle. Keitsad, comment est le cas? Amarlo, il lui a dit, Chaval Tabi Shtaim, tu m'as fait deux blessures. Ve'ala Omer, Lo Chaval Tibecha et Lachat. Et l'autre lui rétorque en lui disant que tu ne m'as fait qu'une seule blessure. D'accord? Et donc dans ce cas-là, on va demander à l'agressé de jurer et de récupérer son argent. Le Barthénora, on n'a qu'à le faire directement, comme ça, ça ira plus vite. Il nous apporte plusieurs éclaircissements très importants sur la scène exacte. D'abord, on parle qu'il est rentré chez moi dans ma maison, qu'il n'y avait personne d'autre. Donc, on fait ça dans les mots. Vedavka, Shahavala, ouais, Areze Nishba Benotel, il jura et il se servira, il récupérera son argent, donc c'est dommage. Vedavka, Shahavala, Bimkom, Shahefchar, Shahaval Beatzmo. On ne parle que d'une blessure qui est dans un endroit où il est possible que l'agressé se la soit faite tout seul. Par exemple, il a une morsure sur le bras. Peut-être qu'il s'est mordu lui, peut-être que c'est l'autre quand ils sont battus, il l'a mordu. Mais au Mishumachi, et c'est pour ça que dans ce cas-là, il a besoin de jurer pour valider, pour certifier, que c'est, pour attester que c'est effectivement l'agresseur qui lui a fait. Aval Bimkom Shanouyacholarbol Batmo. Par contre, si la morsure se retrouve dans un endroit, il ne pouvait pas se la faire tout seul. Venikar Shacherim Asulo. Et donc c'est certain que c'est quelqu'un d'autre qui lui a fait. Kegon Shaltalon Eshicha Begabo. Par exemple, il avait une grosse morsure sur l'épaule, au milieu du dos. Un endroit où il ne pouvait pas se la faire tout seul. Ve'en Shamacher Sheyuchal Lomar Shema. Et il y a personne d'autre qui était avec eux dans cette maison, si ce n'était que lui et moi. Donc finalement, il a une blessure sur le dos, il a une morsure toute fraîche. Et même si j'ai gardé les dents blanches, mais quand même, malgré tout, personne d'autre n'a pu la lui faire. Dans ce cas-là, Notel Belojvoa, il se servira, il réclamera, et je devrais lui rembourser, même sans jurer, Birchlal, ce ne sera même pas nécessaire. Il faut jurer que si la blessure elle est dans un endroit où c'est possible que c'est lui qui se l'a faite, qu'il se la soit faite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tuv, Selah.